Et yo tout le monde, c'est Zanar Games. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, encore une tier list d'Inazuma Eleven. Donc, cette fois, on va faire la tier list des saisons d'Inazuma Eleven. Donc, voilà les saisons d'Inazuma Eleven. On va commencer, ça va être une vidéo très courte, mais n'hésitez pas à partager la vidéo, à lancer des pouces bleus, à vous abonner, à faire tout ça, s'il vous plaît, pour que ça m'aide, ça m'encourage à faire de nouvelles vidéos. Bon, donc Inazuma Eleven saison 1. Saison 1, en vrai, la saison 1 n'est pas vraiment ouf. Je vais la mettre en C, la saison 1 ne m'a pas trop plu d'Inazuma Eleven. Inazuma Eleven saison 2, clairement, rang S. La saison 2 était tellement bien. Inazuma Eleven Go, donc plein de gens n'aiment pas Inazuma Eleven Go, mais moi je trouve que Go, quand même mieux que Inazuma Eleven saison 1. On va la mettre en B. Inazuma Eleven saison 3. En A. Oui, il y a plein de joueurs extraordinaires qu'on voit là-dedans. Inazuma Eleven Chronostone, bah ça, on voit Zanark là-dedans. Hop. En S. Galaxy, j'ai tout regardé, mais les joueurs ne me plaisent pas de Galaxy. L'histoire non plus, on va, c'est comme ouais, Rancé, pareil. Alors Ares, donc j'ai une dent contre Ares, je n'aime pas du tout, je trouve qu'ils ont cassé Inazuma Eleven. En D, bon bah Orion, c'est pareil, en D. On va faire du classement des jeux d'Inazuma Eleven. Donc là c'est un peu plus comme un top. Inazuma Eleven, c'est pas un... Ouais, c'est clairement un top d'Inazuma Eleven. Donc Inazuma Eleven 3. 3 qui m'a... Le jeu était pas mal, hein, surtout les bonus. Mais c'est Foudre Céleste avec Sahel, il est moins bien. Je le mets en B quand même. Go, il y a plein de gens qui n'aiment pas Go, qui trouvent trop scripté. Mais c'est le jeu auquel j'ai recommencé le plus de fois le mode histoire. Oui, j'ai moins farm là-dessus, mais je recommence plus de fois le mode histoire, parce que le mode histoire, je trouve assez bien quand même. Inazuma Eleven 1. Je crois que je l'ai même pas fini, Inazuma Eleven 1. Je dois être à la fin, mais je l'ai même pas fini, il m'a pas plu le 1, l'original. Le Galaxy. Galaxy, en vrai, j'y ai jamais joué à Galaxy, il est pas encore sorti en rang. En France, et parce qu'il n'est pas encore sorti en France, rendez. Donc ça, je crois que c'est Inazuma Eleven Go Ares. Rendez. Hein. Rendez, j'y ai jamais joué. Donc lui, pareil, hein, c'est pareil que Ombre. Lui, c'est... J'ai dit quoi? J'avais dit Ares? Non, je voulais dire Striker. Striker les deux. Galaxy, pareil. Inazuma Eleven 2. Donc alors lui c'est le Tempête de Feu. C'est celui où j'ai fait 2100 heures ou plus, même plus. Je pense que plus. Donc c'est le jeu que depuis mes 10 ans je joue le plus souvent. Sauf ces deux dernières années où je me suis plus concentré sur Go Chronosome. Donc Inazuma Eleven 3, feu explosif, mais on va le mettre en A. J'y ai bien aimé le mode histoire, mais j'y touche plus là. Je touche plus au jeu. Non, plutôt le 3, feu explosif, on va le mettre avec tonnerre comme ça. Et le 3, ogre attaque, on va le mettre en rang A. Oui, parce qu'il y a plus de choses en ogre attaque.
Et pour la petite anecdote, j'ai joué à Inazuma Eleven 3 Ogre Attack. Je venais de finir le mode histoire, donc j'étais level à peu près 40 par là. Et j'ai été voir donc les bonus, donc les levels 99 d'Inazuma Eleven 3, donc les ogres. Je les ai battus. Je les ai battus, hein. Je les ai battus directement 1-0, sans farm, sans XP ni rien. 1-0, et c'était par pure chance, le gardien a pas vu la balle. Voilà. Donc ça c'est Inazuma Eleven Striker. J'aimerais bien y jouer, je pense qu'il faudrait que je le prenne un jour. Mais j'ai eu plein de let's play sur celui-là. Ouais, mais j'y ai jamais joué, on va le mettre en rendez quand même. Inazuma Eleven 2. Moins que feu explosif. Du coup, on va le mettre en A. C'est, j'y joue moins que feu explosif, mais voilà. Alors, Chronostone, bah, S. Hein. S, oui, Chronostone. Oui, clairement S. J'y joue de H24 à Chronostone et surtout Brasier, j'y joue en H24. Hop, voilà. Et s'il y avait le nouveau jeu qui est sorti de Ares, et bah directement rendez. Car Ares, je n'aime pas, vous m'avez peut-être entendu le dire dans d'autres vidéos, mais Ares, je n'aime pas, ils ont cassé Inazuma Eleven, je trouve. Ce n'est plus pareil. Et du coup, on se retrouve pour le troisième tier list. Donc, on va classer les joueurs d'Inazuma. Les joueurs d'Inazuma Japon, hein, on voit bien avec leur maillot bleu là. On va les classer. Donc, allez, c'est parti. Donc en ouais, Mark Evans quand même rang A. Il est très très fort. Kevin, je l'aime pas trop. Hein. J'aime pas son caractère ni rien. Rang C. Shawn, rang A avec Mark Evans. Bon, il était pas beaucoup présent lors de Inazuma Eleven Japon. Lors de la saison 3. Mais il est un très bon joueur. Je le mets là. Samford, non, rang B quand même. Rambé, ça me forme parce que dans Inazuma Eleven Japon, on le voit moins et il maîtrise pas sa technique de Manchot Empereur numéro 1. Caleb, je l'aime très très bien. Caleb, il va aller en rang A. J'adore son caractère à Caleb. Un peu ressemblant à Zanark. Austin, comme Kevin, j'aime pas son caractère. Austin, tu vas là. Axel, rien à dire, t'es le meilleur joueur. T'as rien, t'as toujours été le meilleur joueur de tous les temps. Darren, c'est un des personnages que je déteste. Darren, tu vas directement en rang D, hein, Darren. Reste sur toi, dors, réfléchis beaucoup. Tu es le joueur le plus nul de la planète que j'ai jamais vu passer ici. Nul! Tu es trop nul, tactiquement, techniquement, même les choix, je ne sais pas où te mettre. Ça veut dire que tu es nul à un moment donné où tu fais les passes maintenant pour qu'on marque. Oui, je n'aime pas Darren. Thor, on le voit très peu de fois. Même dans le jeu, on le voit très peu de fois. Rendez aussi pour son absence. Jude Sharp, comme les en fait, c'est les trois héros. Mark, Jude et Axel, c'est les trois principaux. Hurley, je ne l'aime pas trop. J'aime pas son caractère. Du coup, il va aller en rang C, hein, avec Kevin et Austin. Alors là, c'est Jordan Greenway. C'est pas Janus. Rendez. Jordan Greenway, je ne l'aime pas. Janus était tellement bien, tellement de caractère, et il s'est transformé en Jordan Greenway, que je déteste.
Nathan, Nathan aussi, je t'ai toujours détesté, Nathan. Comme Scotty. Les deux, je les ai toujours détestés, je les ai jamais appréciés. Alors Jack. Jack, très fort en défense, rang B avec Sam Ford. Alors lui, Todd. Todd. Rang C, oui, rang C. Ok, mais sans importance. Archer. Archer, ouais, pareil, parce que j'aime pas son caractère. Et, bah, il manquait des rangs S. Bah oui, parce que le seul rang S qu'il y a, c'est mon Xavier. Mon Xavier, que j'aime tellement, Xavier, hein. En même temps, tous les joueurs d'Inazuma Eleven 2 qui ont gardé à peu près le même caractère, pas toi, Jordan. Tous les joueurs d'Inazuma Eleven 2 sont pour moi des meilleurs joueurs. Surtout Xavier avec son météore géant et il est très très fort. C'est le seul rang S. Bon, du coup ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner et à partager la vidéo. Je vais vous dire salut tout le monde, c'était Zanar Games.